Tu veux vraiment la jouer comme ça? Ils s'attendront jamais à une attaque par le fleuve. Retourne à la voiture. On se retrouve quand tout sera terminé. J'espère que tu sais ce que tu fais. Fais-moi confiance. Dans pas longtemps, tout ça sera derrière nous. L'autre chez Perla, si on doit brûler la moitié de Delray. Pour choper Samy, on n'hésite pas. Ordre du patron. Tant que le vieux est de ce monde, on continue. Lui, Elis et l'autre. Et une complète. Faut voir qui c'est. Occupez-vous de cet enfoiré. Arrêtez-le! Merde, je suis à sec! Fais chier!
position. À ton signal. J'ai nulle part où aller. Laisse-moi te frapper. Je lui fais mal. Va te faire foutre! Je vais t'en débarrasser. T'aurais dû me tuer quand t'en avais l'occasion. D'abord, je te tue. Ensuite, ce sera le tour du vieux. Bien sûr, Samy envoie quelqu'un à sa place. C'est lui le prochain sur la liste. Les Loa me protègent, enfant de putain! C'était une grosse erreur de vous en prendre à Delray. Delray est dirigé par un traître. Un sale lâche. Les Noirs n'ont pas de compte à rendre au blanc. L'homme dont tu parles m'a ouvert sa porte quand j'avais nulle part où aller. Toi, tu vaux pas mieux que lui. De moi. Il m'a battu. Je te maudis, sale connard. Toi et toute ta putain de famille. Il est mort. Il est mort. Il peut plus te faire de mal. C'est fini. 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 Mais tout ça, ça sera jamais fini. Jamais. Putain de Isia. On va pas prendre de gants avec toi, mon frère. Le fils de Samy est là-dedans. Tuez-le. Ce fils de pute a tué Maka. Brûlez-le. C'est chaud, merde. Molotov, cassez-vous de là. Molotov, courez. Vite ton chargeur sur ce connard. Je vais pas m'échapper. J'ai enflammé la gueule. Je suis touché. Je recharge, couvre-moi. Aidez-moi. Merde, je me mets à couvert. S'il vous plaît. Je suis touché. La mer va cramer. Tu viens de chercher la mer. Fais chier. Ce salopard, arrête pas de tirer. Je me planque. C'est plus à rien tirer. T'es complètement con ou quoi? Je recharge, couvre-moi.
pas. Attention! Ce connard va cramer! Plus de balles! Je recharge! Molotov! Je me mets à couper. Oh, oh, oh. C'est pas des nôtres, passe de l'autre côté. Oh, oh. Lapin. Oh. Attention. Lance un cocktail. Ce connard va cramer. L'heure du tir au pigeon. Bah, je recharge. Oh. On est au bout de la route, mon gars. Tout se termine ici. Il était temps. Faut toujours que je te sorte de la merde, hein. T'es entier? Ouais. Ça s'est passé comment, André Boitin? On a trouvé un accord. Il a décidé de crever, alors j'ai laissé faire. Allez, on retourne chez Samy. Je te dis pas comment papa va être content. Ces conneries avec les Haïtiens, ça lui pèse. Maintenant qu'on s'est débarrassé d'eux, ça devrait se passer. En prévant l'or, quoi. Hé, hey, mec, fais attention! Bref, ça fait des mois que je lui dis qu'on devrait monter un coup comme ça, mais... Pop, c'est... Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis qu'il a perdu l'envie. C'est pas parce qu'un homme refuse de sombrer dans la violence qu'il a perdu l'envie. Je sais. Le truc, c'est que je me demande ce qui se passera après, tu sais? Moi non plus, je sais pas. Explique. On finit tous par y passer un jour ou l'autre. D'une balle dans la tête ou au fond de son queue, pas vrai? J'imagine. Elise, on n'est pas obligé de parler. J'espère que papa nous survivra à tous les deux. Et s'il veut pas se salir les mains, on va passer pour des profs faciles partout à Del Rey. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit prêt le jour J. On s'inquiétera de ça plus tard. Alors tu mets tes grands projets en veilleuse, ok? Ouais, d'accord. Si tu veux. Ramène-toi ici. Ce que Lincoln n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre, c'est qu'un type comme Samy aurait toujours et toujours des Haïtiens sur le dos. Et quand il n'y avait plus personne pour le harceler, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait pour lui causer des ennuis. Ça n'en finissait jamais. C'est comme ça que Lincoln s'est retrouvé à travailler pour San Marcano. T'avais raison pour les Haïtiens près de la vieille mine de sel. Ils nous foutront la paix maintenant. C'était une erreur de t'envoyer là-bas. Je devrais régler mes problèmes moi-même. C'est pas si différent de ce que je faisais avant. Tu le sais peut-être pas. Mais chaque soir, à la télé, juste après les infos, ils donnent les noms de tous ceux qui se sont fait tuer au Vietnam. Chaque soir, dans ma cuisine, au dîner, je regardais défiler la liste en me demandant si c'était aujourd'hui que j'allais voir ton nom. Mais tu l'as jamais vu. Il m'est rien arrivé. C'est vraiment qu'une question de chance. Tôt ou tard, la chance, elle finit par tourner. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Marcano ?
Lui donner son putain de pognon, d'une manière ou d'une autre. La loterie va suffire à le payer? La loterie? Non. Mais ça l'a appelé l'autre jour. Il veut te voir au country club. Il dit qu'il a peut-être une idée. Pour qu'on s'arrange. Les seuls noirs qui entrent là-bas, c'est le personnel. Ça leur plaira peut-être pas. Mais ils diront pas non à Sal Marcano. S'il te dit que tu peux entrer, tu peux entrer. Cool. J'ai toujours voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Tu devras faire tout ce que Sal te demandera, c'est clair? C'est dans notre intérêt. Pigé. Votre bon vieux Rémi avait besoin de reprendre du poil de la bête. Heureusement, mon producteur Gilbert, merci Gilbert, a eu l'amabilité de m'apporter un thermos plein de café de la fameuse pâtisserie du centre-ville. Qu'est-ce que tu fous là? L'entrée de service est derrière. Je viens voir Monsieur Marcano. Je m'appelle Lincoln Clay. Ça alors. Arrête tes conneries. Tiens-toi à carreau, petit. Ou ça va chier pour ton matricule, c'est compris? Garde-toi sur le côté. Lincoln Clay, bordel, regardez-moi ça! Je parie que ces putains d'Asiates chiaient dans leur froc quand ils te voyaient arriver. Ça faisait un bail, Georgie. Arrête, m'en parle pas. Je crois que la dernière fois que je t'ai vu, c'était dans ce putain de quartier français, la nuit juste avant ton départ. Qu'est-ce qu'on s'était marré? Ah ouais, je crois que je me rappelle Elise qui se faisait courser par les flics et Danny qui avait fini en dégrisement. Ah putain, j'avais dû payer sa caution. Ça valait le coup quand même d'aller défoncer ces petits cons. Une clope? Ouais. Samy m'a dit que Monsieur Marcano voulait me voir. Monsieur Marcano? Merde! On dirait que tu parles d'un putain d'avocat. Appelle le Sal. Viens, il est là-bas. Merde, j'aurais dû me changer. Si ces tocards ont un problème avec tes fringues, qu'ils aillent en parler à mon vieux. Il leur dira d'aller se faire foutre.
C'est l'avantage d'être pété de thunes. Désolé de devoir abréger, Olivia, mais j'ai un rendez-vous. Rémi, ce fut un plaisir. Deux verres de plus. Lincoln, ça fait plaisir. Voici Vito Scaletta. C'est de lui que je te parlais. Vas-y, Lincoln, assieds-toi. Alors, t'as fait le Vietnam, hein? Oui, monsieur. Sal m'a dit que t'avais chopé quelques médailles, là-bas? J'ai servi avec des gars bien. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce à eux. Armée? Marine? La régulière, pour commencer. Ensuite, on m'a recruté dans les forces spéciales. Les forces spéciales? Je t'avais dit qu'il était différent. Je suis sûr que tout va bien se passer, mais juste au cas où, putain, t'aimerais pas avoir un mec comme ça avec toi? Écoute, Sal, si tu le cautionnes, moi ça me va. Bon, je dois m'occuper de deux, trois trucs. Merci pour le verre. Putain, mais quel enfoiré, Steve. Foutu nordiste. La commission nous l'a envoyé d'Empire Bay, il y a environ 15 ans. Et ça fait 15 putains d'années qu'il me les brise. Bon, j'imagine que tu te demandes ce qui se passe. Ouais, Samy m'a pas dit grand-chose. Deux fois par an, la Banque fédérale prend du vieux pognon pour le détruire. Dans les jours qui viennent, cet argent va être transféré ici, dans la réserve de la ville. Et vous voulez choper la cargaison? Même pas. On va en profiter pour accéder à leur coffre-fort. Et voler tout ce qui n'a pas encore été détruit. Ça devrait faire 6 ou 7 millions facile. Waouh, ça c'est carrément couillu. C'est la chance de ta vie, tu veux dire, ouais. Vito avance beaucoup de pognon pour cette mission et il nous a dégoté le code du coffre-fort. T'as eu le temps de voir Danny? Non, pas encore. Ça va pas tarder alors. Lui et son père seront de la partie. Et ils auront besoin de ton aide, donc va les voir, ils sont toujours au même endroit. Il faut aussi qu'on parle d'autre chose. J'imagine que t'es au courant que Samy a des emmerdes en ce moment. Je me suis occupé des Haïtiens. Quand tout se sera tassé, l'argent rentrera. Tu vois, c'est ça que j'aime, c'est exactement ça. T'es pas resté assis sur ton cul à attendre que ça se passe, non. T'as vu un problème et t'es direct allé le régler. Ça, putain, ça me plaît et ça vaut tout l'or du monde. On paye nos dettes, c'est comme ça que ça marche chez nous. Mon Dieu, je le sais, fils. J'en ai jamais douté. Mais tu sais, même une fois qu'on sera quitte, tu seras toujours en train de moisir lentement dans ce quartier pourri. Pas très reluisant comme avenir. Il y a peut-être une meilleure issue, tu crois pas? Pour nous tous. À quoi vous pensez? Je veux manquer de respect à personne, je tiens à ce que tu le saches. Samy est un type génial. Mais il est plutôt jeune. Et je trouve qu'il serait temps qu'on se renouvelle. Je crois pas qu'Elise soit prêt pour ce genre de choses. Pas d'Elise. Je parle de toi. Je veux que ce soit toi qui gère Del Rey. Je peux pas faire ça. Bon, écoute, si c'est Samy qui t'inquiète, t'as pas à t'en faire, pigé. Il a toujours été réglo avec moi, et avec la mission dont je t'ai parlé, il aura largement de quoi prendre sa retraite. Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller. Il m'a traité comme son propre fils. Je suis désolé, monsieur Marcano, je peux pas lui faire ça. Eh ben merde. Fils, je vais pas te mentir, je suis déçu et pas qu'un peu. Mais je comprends. T'es loyal. Et c'est une qualité rare de nos jours. Vous voulez toujours de mon aide pour la mission dont vous m'avez parlé? Bien sûr que je la veux. Et quand ce sera fait, on sera quitte, toi et moi. Je te donne ma parole. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'on enlevait et qu'on torturait tous ceux qu'on soupçonnait de bosser avec le Viet Cong? J'essaie de déterminer le niveau d'entraînement que Lincoln Clay a reçu pendant son service au Vietnam. Les types comme lui n'ont pas besoin d'entraînement. Vous leur indiquez la direction et vous vous écartez de leur route. Ah, j'y vois que dalle, putain!
Dépends-toi, on va s'en tirer. Fils de... Elise et Danny viennent de passer à travers avec la foreuse. Putain, Elise, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Cette saloperie de foreuse a pas arrêté de surchauffer. Lincoln et toi, ça va? Ouais, ça roule. Où est Danny? Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent. Ok, dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous. Grouille-toi! Ces enculés ont éteint la lumière. Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. Je suis là, fumier. Je me mets à couvert. Putain, je me suis pas autant éclaté depuis des années. Ils vont nous débusquer, sois ce que tu fais. Regarde, il est juste là. C'est les gardes qui prétendaient être de bâton rouge. Je fonce à couvert. Les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez dehors. Dis à Danny qu'il doit nous sortir de là. Ces enfoirés nous ont coincés. Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir. J'ai du TNT, je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter. Et à quoi ça va nous servir, hein? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer. Avec du bol? Tu te fous de ma gueule? Tu sais ce que tu fais au moins? C'est de la dynamite, c'est pas sorcier, putain! La mèche s'est allumée, barrez-vous de là! Enlève-moi ça, Elise! J'essaye. Danny a la jambe coincée. J'ai besoin d'aide. En vérité, personne ne sait vraiment pourquoi Sal Marcano s'en est pris à Thomas Burke. Mais il lui a repris Pointe Verdun et l'a confié à un exécuteur du nom de Roman Barbieri, dit le boucher, qui s'est empressé d'aller casser une jambe à Burke. Danny Burke faisait partie du casse. C'était un passionné de mécanique. Il n'avait jamais rien fait de tel. Mais Thomas Burke a insisté. Il pensait que si le casse était un succès, Sal lui pardonnerait et lui rendrait Pointe Verdun. Je savais que j'allais me la faire. Hey, il paraît qu'il n'y a rien de meilleur qu'une chatte de vietnamienne. Tu vas pouvoir confirmer? Casanova Clay. Putain, ce que je suis content de te revoir, mec. Moi aussi, Danny. Comment va Nikki? Elle aurait bien voulu venir, mais bon, tu connais le vieux, évidemment. Ah, putain, bordel de merde! Ouais, malheureusement. Allez, viens, on va se boire une bière. Attendre que le vieux se calme, puis après, on pourra s'y mettre. Ça roule? Ouais, j'ai déjà tout prévu et organisé. Toutes les nanas seront là. Par contre, va falloir qu'on prenne ma voiture, parce qu'on va pas se trimballer dans le vieux taco qui est garé là-dehors. Oh, c'est mon bolide 100% américain que tu traites de taco, là? Dis juste qu'on peut avoir de meilleures bagnoles que ça. Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. J'ai mis un 358 dedans avant qu'il parte. C'est pas la seule chose que tu lui as mise.
Tu devrais peut-être lui dire que tu l'as emprunté à Ellis pour emmener tes gonzesses faire un tour. Laisse-moi en dehors de ça, bordel. Mais c'est dans ma caisse. Ça va, c'est pas un drame, j'ai toujours fait ça proprement. En plus, j'ai déjà un casse-couille dans ma vie, alors ça me suffit, les mecs. Ok, tu sais quoi, tu vas la nettoyer, et pas juste la banquette arrière, chaque centimètre carré. J'ai pas envie de rouler dans tes saloperies. Et toi, le guignol, tu vas t'y mettre aussi. C'est ça, tu rêves. J'ai pas baisé, moi. Ouais, ça se voit, d'ailleurs. Bande de tocards, vous avez à peu près autant de chances de réussir ce casque que j'en ai de gagner un putain de pentathlon. Ok, ça va, papa, on t'écoute. Denis et Ellis, vous allez utiliser la foreuse pour faire un trou qui arrivera sous le coffre. Toi et Georgie, vous entrez, vous passez l'argent par en dessous et vous vous barrez vite fait. Cette saloperie de foreuse est pas facile à bouger. Donc ils nous font un bateau pour la faire passer par les canaux et l'installer. Ellis et moi, on s'occupe du bateau. Le père à Georgie a acheté un garde de la réserve. Pour qui vous file son camion? Entre ça et les uniformes, on est sûr que personne fera attention à nous. Allez, faut qu'on y aille. On doit encore passer chez Scaletta et finir de préparer quelques trucs. Et les deux petits cons, là. Allez pas croire que vous êtes tirés d'affaire. J'espère que ma caisse sera nickel à mon retour. Je nettoie que dalle, moi. C'est toi qui t'y colle. Mon père était beaucoup de choses, et malheureusement pas que des bonnes. Mais il a commencé par la contrebande d'alcool. Alors évidemment, il connaissait tous les canaux sous la ville. Et bien sûr, il savait que l'un d'entre eux passait sous la réserve fédérale. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser un bateau pour mettre la foreuse en position. Mon père était un salopard de première. Pour moi, c'est le premier responsable de ce qui est arrivé. Vous voulez prendre des risques insensés? Bien. Mais n'embarquez pas votre fils là-dedans. C'est de sa faute si Danny est mort. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là! Allez, on décolle! C'est noté. Les gardes rapiquent par le trou! Putain, on voit l'un d'autre! On ferait mieux de se casser d'ici! Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie! Ils nous trouvent l'info! Occupez-vous d'eux! Ah, ça fait mal, putain! Ils nous tirent dessus! Ouais! Voilà! Les flics! Georgie, tu t'en charges! Les voilà! Allez, amenez-vous, bande de merde! Continue, ralentis pas! On n'emmerde pas, Georgie Marcano! Je vais vous renvoyer d'où vous venez, dans les chattes de vos mères. La sortie, gros Lincoln. Mais putain, t'es taré ou quoi? Merde, merde, merde! Putain! Tout le monde va bien? J'ai jamais fait un truc aussi dingue de ma vie, putain. Content qu'on soit sains et saufs. Par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les mecs? Pas le choix, il faut qu'on monte. Tu te fous de moi? Va y avoir des flics partout. Ouais, avec un peu de chance, ils seront trop occupés avec Mardi Gras. Non, marqué. C'est parti. Putain, je m'éclate comme un dingue. Hey, t'as pas l'impression de me coller au cul, là? Oh, ferme-la et grimpe, vieux. Ok, voilà. Allez. C'est bon, on te lâche pas. C'est bon, je te tiens. Ok, une fois dehors, je trouve un téléphone et je nous appelle une caisse. Tu peux marcher? Ouais, si on m'aide un peu, ça devrait aller. Ce sera sûrement plus simple de te trimballer. Allez, viens là. Hé, hé, repose-moi, bordel! Si quelqu'un demande, on dit qu'il est bourré.
Allez, vas-y, prends le fric. C'est parti. Ah, putain!